Bon, premièrement, on va remercier les dirigeants d'Infcron pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont accueillis là-bas. Même ils nous ont invités pour un déjeuner juste après le match, malgré la défaite d'Infcron. Bon, le match ça a été difficile parce qu'après une élimination amère de Coupe d'Algérie contre le Nad ici, donc le moral des joueurs il était un peu à plat. Heureusement que sur le plan psychologique, on a travaillé beaucoup sur le plan psychologique avec les joueurs pour remonter le moral des joueurs. Heureusement, dans le match, on a fait un match correct, malgré une jeune équipe agressive de Heinz-Kron, mais on a su gérer le match et on a marqué chaque mi-temps, on a marqué un but, donc on a gagné 2-0. Bon, c'est vrai maintenant, avec la défaite de Saoura Bejaia et la victoire de Chlef chez elle et le Rondon Tsitif chez elle. Donc on est à 6 points toujours de l'Entente et de la Saoura. Donc les jeux ne sont pas faits, donc il reste 5 matchs, donc il reste 15 points là, dans le jeu. Donc il faut faire très attention, il faut préparer convenablement. Il faut bien négocier les 5 matchs qui viennent. Bon, normalement on va jouer samedi contre l'MCO le prochain match. Donc l'MCO ils ont une finale contre le NAD samedi prochain le 3. Donc on va jouer le mardi d'après, donc le 6, contre l'MCO. Donc on va le préparer, on a assez de temps pour préparer ce match convenablement pour essayer de ramener les 3 points encore, pour espérer aller de l'avant pour gagner le championnat de cette saison. Bon, j'aimerais bien, bon, ces jeunes-là, ils aimeraient bien que nos supporters viennent soutenir cette jeune équipe pétrie de qualité. Ils ont beaucoup d'avenir devant eux, donc j'espère que nos supporters ils viennent pour encourager cette jeune équipe espoir. Bon courage, justement, point des